Le peuple, la jeunesse haïtienne, n'a pas avec compatriotes. Lizy Salomon, nous vînons, nous vibrons hommage. Dans l'époque par la que sauve Haïti, il y avait une récession économique aiguë. Côté dollar, tu as maté Goudla et Goudla te devenu zon et boui. Tu pas de bon nègre. Donc, Lizy Salomon, félicité, tu as redressé la barque. Le pays a été effondré. Mais pour pas là. Faut que tu es un génie. Donc, Lizy Salomon, je dis à nous venir rendre. Nous vibrons hommage. Tu es campé. C'est là-bas. Je dis à ça, il faut nous inculquer vers la génération qui est pour nous. Il faut nous faire comme ça. En ce moment, nous n'avons pas de gens qui vendent. Il faut que chaque génération, par exemple, doit répéter. Lizy Salomon, son équipe fait un gros travail. Je dis à l'important, nous éviter les compatriotes. Le cimetière côté Salomon enterré, et Salomon, son équipe est des pays d'Haïti. D'ailleurs, on était président pays d'Haïti et qu'on a recevoir l'aide de créance et qu'on a recevoir l'ambassadeur qui a signé des traités au nom d'Haïti pour génération contemporaine. Et bien pour petite diaspora, petite compatriote, répétez. Et ça fait gauche de tout. Redites-moi l'histoire. Vous devez répéter l'histoire. Ok. Est-ce que ce n'est pas le même moment qu'on a vécu là? Parce que pas bien que dans le moment qu'on a vécu là, la goutte là tellement monté. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un Lizy Salomon encore dans le pays d'Haïti actuellement là? Pour avoir un Lizy Salomon, au moment ça là, nous avons besoin d'un génie pour Lizy Salomon. Comme prophétie sur Haïti qui expliquait un descendant Salomon qui est pour diriger le pays d'Haïti. Tous les compatriotes nous qui trouvent en Europe, spécialement la France, Paris, nous vous remercier de la jeunesse haïtienne de France et qui travaille qui cherche pour être haïtien avec Racine. Côté nous-mêmes, nous pas fait exclusion. Et bien content, Radio Télé Haïtienne de la jeunesse de France, nous pas fait exclusion. Nous cherchons pour joindre tous les compatriotes. Tout haïtien natif natal pour chercher mémoire pour porter par une nouvelle génération. Bien sûr, je dis à nous dans ce cimetière la case et du côté de Paris. Et nous venons nous vibrons hommage avec le grand homme qui a marqué l'histoire, qui a marqué son temps. C'est Lizy Félicité Salomon. Le grand tombe. Voilà. Nous allons voir dans le cimetière passé. Là, nous avons remarqué le cimetière passé pour tout le monde qui t'a voulu visiter. On va rentrer tout de suite et rentrer à droite, à droite, à gauche, pour aller tout droit. Et on rond-point, on va continuer rond-point et tout de suite à droite, deuxième tombe, c'est Lizy Salomon. Là, nous pensons nous avons tout le détail sur le monde qui t'a voulu visiter. Eh bien, c'était un plaisir. À tout le monde. Mais pour avoir un dernier mot pour nous terminer. Bon, en guise de conclusion, nous invitons les compatriotes, qui sont en Europe et la France, à rendre hommage avec anciens dirigeants, avec ancêtres. Parce que ancêtres, je veux dire, si mon pays, si Haïti, les ancêtres ont déjà un rôle important, un rôle prépondérant. Pour ne pas payer ça. Mais évitez tout haïtien et pour toujours passer sous tombe Jean-Pierre Boyer, passer sous tombe Salomon, rendre nous hommage.